Bientôt une semaine après la mort du prince Philippe, la famille royale accuse encore le coup. Dans moins de deux jours, ils s'apprêtent à faire leur dernier adieu à l'un des piliers de leur clan, lors de ses funérailles qui auront lieu ce samedi 17 avril. Depuis l'annonce du décès du duc d'Édimbourg, nombreux sont les hommages rendus au mari de la reine Elisabeth II. Les Britanniques n'ont pas hésité à se recueillir devant le palais de Buckingham ou le château de Windsor, où ils ont déposé des fleurs, mais aussi des cartes de condoléances ou encore des dessins. Autant de délicates attentions qui ont été collectées et transférées dans les jardins du palais de Marlborough, afin que la famille royale puisse les voir. Ce jeudi 15 avril, le prince Charles et son épouse Camilla Parker Bowles ont été particulièrement émus en découvrant toutes les fleurs et les objets laissés par le public afin d'honorer la mémoire du prince Philippe. Bouleversé, le prince de Galles n'a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu'il est tombé sur une réplique miniature d'une Land Rover, qui n'était autre que la voiture préférée de son père, qui a également été choisi comme corbillard afin de transporter son cercueil, ce samedi. Une visite forte en émotion, qui donne déjà le ton des funérailles. Pas d'uniforme militaire aux funérailles du prince Philippe. À l'approche des obsèques du prince Philippe, la reine Elisabeth II a d'ailleurs pris une décision forte qui va à contre-sens de la tradition. Aucun membre de la famille ne revêtira son uniforme militaire. Ceux-ci ont été bannis afin notamment d'éviter une humiliation au prince Harry, qui a renoncé à l'intégralité de ses titres militaires en se retirant officiellement des membres actifs de la famille royale, en février 2021. Il en va de même pour le prince Andrew, qui a renoncé à ses engagements royaux en mai 2020, suite à son implication dans le scandale de l'affaire Epstein, fin 2019. Afin de préserver la famille royale d'un nouveau scandale, la reine Elisabeth II a choisi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.